Bonjour, donc petite vidéo pour accorder un goni 8 cordes. Donc je conseille de commencer par la plus aiguë. Par rapport à la tension, si elle vous plaît. Donc elle est pas mal, on peut monter un peu plus. D'accord, là, bah, on voit. On va monter, bon. Là, ça devient un ré. Donc j'ai l'application Zoom Corset sur le téléphone, l'application à télécharger est gratuite et très intéressante pour pouvoir accorder, très importante surtout. Donc on repère la note. Si on a une guitare, c'est super. C'est plus tranquille. Donc il y a un côté, là, je vais vous montrer, il y a le schéma de la pinta. Voilà. Le schéma de la pinta. Donc en bas, ici, à ce niveau-là, c'est la corde de mi. Ah non, j'ai mis à l'envers. Elle est bonne. Donc dans ce sens-là, c'est plus simple. Voilà. Donc mi. Donc ça représente le baril. D'accord. Donc on monte à 8 notes. Donc ça va être celle-là. On repère cette note-là. D'accord. Donc on prend. Donc on fait le schéma. Donc, c'est Ré, Do, La, Sol, Mi. Donc Ré, Do, La, Sol. Ces 5 notes pinta, on descend Ré, Do, La, Sol, Mi. Donc, Ré.
c'est mettre un cure-dent. On l'enfonce juste dans la fente et on casse. Comme ça, on bloque la corde et ça arrête. Bon, si avec une corde, on peut essayer de jouer avec le chevalet. Mais si on a plusieurs, et quand c'est des trous, on enfonce le petit cure-dent et on casse et ça bloquera la corde. Après, on peut choisir plus ou moins la gamme en fonction de la ici. On peut faire un peu plus aigu ou un peu plus grave. On peut choisir, mais après, pas trop grave, sinon on aura du mal pour ici. D'accord, bon, bah, voilà. Merci à vous et bonne journée. Laissez des commentaires pour d'éventuelles explications ou comme ça, quoi. Merci, à bientôt.